À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est qui? Malala. Malala Yousafzai est une jeune Pakistanaise de 17 ans. Elle se bat pour que toutes les filles aient le droit d'aller à l'école. Mais pourquoi Malala est-elle devenue célèbre? Malala est née dans la vallée du Swat, au Pakistan. Elle vit une enfance heureuse entre l'école, sa famille et ses amis. Jusqu'à ce que la région où elle habite soit envahie par des talibans. Ces fanatiques religieux sèment la terreur et interdisent aux filles d'aller à l'école. Malala a 11 ans. Elle refuse cette injustice. Elle veut étudier. Avec l'accord de ses parents, elle témoigne de sa vie et des violences perpétuées par les talibans sur un blog. Son engagement pour établir l'égalité entre les filles et les garçons de son pays finit par être entendu. À 13 ans, elle reçoit des prix internationaux pour son courage. Mais un jour, sa vie bascule. Pour s'être opposée aux talibans, elle est victime d'une tentative d'assassinat. Grièvement blessée, elle doit quitter son pays pour se réfugier en Grande-Bretagne et y être soignée. Elle a 15 ans. Les médias du monde entier racontent son histoire. Les gens sont impressionnés par son courage. Ils lui envoient des messages de soutien. Elle fête ses 16 ans à l'ONU et est même reçue par la reine d'Angleterre et par le président américain Barack Obama. La classe! Alors que les talibans ont voulu l'empêcher de parler, Malala est devenue la porte-parole des filles du monde entier. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.